Le pays va mal. La situation s'empire. Aussi bien sur le plan économique, politique, social, et maintenant la HAC annonce qu'il y a des problèmes sécuritaires. Alors donc le pays est en danger. Si nous apprenons que les médias sont coupés parce qu'il y a des problèmes sécuritaires qui viennent s'ajouter à la cherté de vie, qui viennent s'ajouter au brouillage des radios, à la coupure de l'Internet, alors nous avons le droit de nous inquiéter. La dernière fois, je disais ici que lorsque le CNRD a pris le pouvoir sans le mandat officiel du peuple de Guinée, nous avons applaudi parce que le message qui était passé était un message qui rejoignait mot par mot les valeurs de l'UFDG. On a eu de l'espoir. Quelques mois après, nous avons vu, comme je l'ai dit l'autre fois, les bruissements de la crise rôder autour du pouvoir. Nous avons commencé à douter. Un an après, évidemment, on a commencé à se poser des questions et à regretter. Aujourd'hui, nous sommes vraiment déçus. On est déçus et même à la minute où je vous parle, l'évolution de la situation et les déclarations de bataille des autorités nous remontent. Maintenant, on est remonté. On a coupé l'Internet. On a bloqué la télévision. Orange moi-même est bloqué. Hier, je voulais envoyer 400 000 francs à un paroblage. On a dit que ce n'est pas possible. Ce matin, entre moi et Dieu, je suis passé dans une banque à côté d'ici. On dirait que les gens sont en guerre. La banque était totalement vide. On n'était que deux clients. C'est grave pour le pays. Au lieu de s'atteler à régler ce problème, le ministre Boyconé, le jeune ministre Boyconé, qui a toute la vie devant lui, revient encore pour provoquer les partis politiques. Tout le monde sait qu'un parti politique, pour présenter un candidat, il faut une séance d'investiture du candidat. Tout le monde le sait. Mais nous ne sommes pas des subordonnés au ministère de l'administration du territoire. Lorsqu'on est venu déposer une assemblée régulièrement élue, on met des dames et des messieurs à leur place, qu'on a appelé conseil national, et qui prennent le titre de honorable. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vient un beau matin, on dépose un président élu qui n'est pas en train de mandat. Ça, c'est quoi?
Allez le problème de régler ce problème. Régler le problème dans le consensus. On n'est pas dans une république aujourd'hui. Nous sommes dans un État. On n'a pas de constitution. Tout doit se régler normalement par le consensus. Le pouvoir actuel doit être tiré d'un consensus. Ce n'est pas le dictat. Il faut qu'ils comprennent ça. Dans tout ça, vous voulez caporaliser le parti politique. Quel est le financement que vous apportez au parti politique? Quel financement que vous leur apportez? Zéro. 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 Rien du tout. Chaque fois qu'on a eu besoin d'organiser un congrès, une investiture, nous avons régulièrement invité les autorités du ministère de l'administration du territoire parce que c'est la tutelle des partis politiques. Mais nous ne sommes pas là pour recevoir des ordres ou des dictats du ministère. Il faut qu'ils le sachent. Il faut que les provocations cessent. D'abord, j'ai demandé aux coalitions d'envoyer les statuts des partis politiques des coalitions. Alors que c'est la banque aussi, ces statuts. C'est les coalitions qui auraient demandé au ministre, monsieur le ministre, envoyez-nous des côtés de tel ou de tel. Ce n'est pas au ministère de demander aux coalitions de faire ce travail-là. Il y a 60 ans, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de satellite même. On vivait bien. Aujourd'hui, si vous voulez voyager, s'il n'y a pas d'internet, vous ne pouvez faire aucune opération au niveau des compagnies d'aviation. Vous ne pouvez pas faire une seule opération dans une banque aujourd'hui sans les réseaux sociaux. Si on veut détruire tout ce système, nous ne sommes pas dans l'antiquité. Ce n'est plus un droit d'internet et autre. C'est une obligation. C'est la vie des personnes. Si les satellites s'arrêtent aujourd'hui, Facebook, Google s'arrêtent aujourd'hui, aucun navire ne pourra voler. Aucune banque ne peut fonctionner. Aucune grande société ne peut fonctionner. Si les dirigeants s'amusent à couper ces moyens, je ne sais pas si tu mesures la portée économique, sociale de ces dates. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas élus. Il faut qu'ils comprennent que trop c'est trop. Il faut qu'ils comprennent que la vie, tout passe. La seule chose qui est permanente dans la vie, c'est le changement. Ça changera. Mais dans tout ça, où sont nos intellectuels? Où sont nos intellectuels? Où sont nos religieux? Où sont nos universitaires? Où sont nos sages? Où sont nos célèbres coutumiers? Où sont les coutumiers? Ou bien ils attendent qu'il y ait la moindre manifestation pour dire n'envoyez pas les enfants des autres à l'abattoir.